Ils sont fâchés avec les vieilles négumelles comme nous. Bonsoir, mes warriors. Bonsoir aux sympathisants, aux détracteurs. Bonsoir à tous qui se... tous les gens qui me détestent, surtout les gens qui me détestent. Sachez que je suis une femme très forte de caractère. Sachez que j'ai vu votre méchanceté envers moi dans les réseaux sociaux. Qu'une sale chose vient vous raconter, écoutez dans les réseaux sociaux, tout le monde. Ça va, le commencement, ça commence par où? Ça commence par une vidéo que j'ai fait il y a 7 ans, okay, au début du Covid. Les gens sont venus m'insulter dans cette vidéo que je suis la pute du président. J'ai répondu à ma façon. Parce que c'était à l'époque, c'était ça. C'était le famponnage. Mais aujourd'hui, comme par hasard, maintenant on prend cette chose-là. Mon co aussi. Cette chose-là. Je ne sais même pas. De l'homme là-bas, un graphiste, elle prend ça, elle va détourner. Hein? Elle va détourner avec ces gens dans les réseaux sociaux. On coupe que la place là. Là où j'ai dit qu'il n'y a pas la porcherie et tout ça. Il va amener quelqu'un à dire que oh, je les ai insultés. Une vidéo qui date depuis combien de temps? Qui est à Facebook? Vu que toutes mes vidéos de Saint-Barthélemy sont à Facebook. Toutes mes vidéos de Saint-Barthélemy, tout le monde connaît mes vidéos. C'est rare que je fasse mes vidéos. Je ne passe pas parce que pour moi c'était un jeu. Mais quand on a dit que. On a appelé au génocide des boules ici, qu'on doit tuer les boules et tout ça. Hein? Elle se fait mal? Des enfants, c'est. Je n'ai pas vu. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous ne mettez pas les cœurs, vous ne mettez rien. Et après, la vidéo va partir. Si ça part, moi, je ne reviens plus faire. On a appelé au génocide des boules ici. Je n'ai vu personne venir commenter. Je n'ai vu personne venir parler ici à Facebook. J'étais la seule personne qui s'emponnait. Seule. Mais, ce qui se passe au Cameroun, c'est un truc de manipulation que je ne comprends pas. Et moi, je suis venu, j'ai mon cœur est très noir pour cette histoire. Parce que c'est une histoire qu'on voulait qu'une personne meure. Et c'est moi qui devais mourir. Parce que je suis une pauvre veuve. Je suis seule. Je n'ai personne autour de moi. Je ne suis pauvre. On a choisi. Et comme je n'ai pas de team, on m'a choisi moi pour venir mourir. Et moi, je ne peux pas mourir. Parce que même le bon Dieu, je suis Highlander. Sachez que je suis Highlander, même Highlander, on coupe sa tête. La tête va revenir doucement. C'est bien à quoi se placer. Parce que cette histoire-ci, je n'ai rien fait. Je n'ai fait que répondre aux talibans, aux casseurs d'ambassade et aux gens qui les supportent. Comme Bomboko aussi. Et sa bande. Et sa team de co aussi. Vous comprenez? Je ne fais que répondre. Mais c'est la personne qu'on a pris. Vous ne me posez pas la question que, comment trois personnes partent quelque part et il y a une seule personne qui se cache. Pourtant, on a voyagé le même jour. Nous, on a voyagé par toi là. Pas dans une belle voiture. On nous a accueillis comme les vies par toi là. Il n'y avait pas la police, il n'y avait rien. C'est venu fabriquer sa part pour faire nourrir sa haine envers les bêtises, sa haine envers les boules que je suis. C'est juste sa haine envers moi. Moi, qui la prends, je la mets, je ne crois que viens pas. Tout le monde mange. Dis aussi que nous ne sommes pas aussi grattés. Je suis sûr que si c'est sa soeur là, nous là, la misérable femme de Facebook là, la malade mentale de Facebook là, que c'est elle que j'administre, que je suis encore au Cameroun. Elle a commencé à faire les manigances depuis le début de l'aéroport. Comment on est accueilli, il y avait la télévision de l'aéroport. Je suis où? Marie, qu'est-ce que vous donnez où? Parce qu'il fallait qu'on la voie. Il fallait que ce soit elle. Enfin bref. C'est une histoire que moi, je parlerai toujours et je vais vous faire lavage de cerveau pour comprendre que cette histoire, c'est une machination qu'on a voulu faire contre moi. Vous allez m'entendre, on va me demander que c'est même moi-même qui a fabriqué les photos de Marie Christine, c'est même moi qui a fabriqué ma part. Je connais qui? Je suis avec les journalistes, je suis dans le monde des journalistes et je m'en fous. C'est vous qui voulez être star dans les réseaux sociaux. Vous allez être star dans les réseaux sociaux, ça ne vous suffit pas. Il faut promouvoir des chaînes de télévision. Qui m'a jamais dans une chaîne de télévision? Qui m'a déjà vu dans une chaîne de télévision, mais Waros. Ça ne m'intéresse pas. Comment ça se fait qu'il y a trois choses ici à Facebook? Pour moi-même, à grand peu, mais je m'en fous. On met pour les autres. Mais toi qui as créé le Bami Power, ici à Facebook, toi que tu revendiques, toi, on t'a mis à côté. Oui. Parce que je ne savais pas que la chaîne de télévision, Tara TV, que c'est pour Steve Effa. Et que c'est là-bas que ton show gars qu'on appelle Paul Desibi a travaillé. Donc, et comme c'est une chaîne de télévision de Power Congo, ça. Parce que c'est eux qui ont fabriqué toutes ces choses-là.
Mais tu sais, Bomboko aussi, l'enfant, tu n'apporteras pas son paradis. Il faut savoir que tu as une fervente devant toi. Tu as trouvé ta part de problème devant toi parce que je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai jamais. Je ne te lâcherai pas. Comprenez-moi. Je ne vous lâcherai pas. Entre vous, vous là. Et bien, quelqu'un va vous voir comment vous vous tuez ici sur la toile. Vous salissez la toile entre vous. Pardon, vous voulez le pouvoir. Bah, une commande. Si vous êtes dans le pouvoir, je resterai toujours dans le pouvoir. Ce qui est sûr, c'est ça. Bon, pour vous dire que je ne peux pas venir m'asseoir ici pour vous raconter des conneries. Il y a eu un truc. Vous savez que moi, mes côtes sont restreintes. Et voilà, je bois d'abord un coup parce que j'ai la gorge sèche. Mais ma gorge va déjà un peu mieux, s'il vous plaît. Moi, je me défends avec ce que j'ai. Je n'ai pas les moyens de me payer les vues parce que les gens payent les vues. On paye même les likes maintenant et les vues, on paye. Moi, je ne paye pas. Moi, ce sont les vraies personnes qui me regardent. Je ne sais même pas combien vous êtes, mais j'espère que vous êtes dans... Le nom ne m'a pas envoûté. Mais je veux que tout le monde sache que c'est une mauvaise personne. C'est une indique. Une mauvaise indique de la République. Je veux que tout le monde sache. Parce qu'elle avait la base. Elle avait que. Elle fait semblant de les insulter alors qu'elle avait que. Sache que mon porte-monnaie que tu as volé dans l'avion, ça va te pourrir la vie toute ta vie. Parce que tu es une misérable voleuse, une commandeuse, une voleuse. Toi et moi, c'est une place à l'unité pour toi. Parce que moi, je ne te lâcherai pas. Je voulais seulement un peu aérer un peu mon esprit. Mais je suis toujours là avec toi, Balata. Tu vas encore faire des directs, tu auras même 50 000 vues. La voix, j'aurai 200 vues. Mais je serai avec toi, je ne te lâcherai pas dans Yoda. Jusqu'à ce que ton histoire et mon histoire va arriver à la CP. La Cour de droit international, le pénal, ou ce pénal et toi international, je te lâche pas. Parce que Konagi est petit pour toi et moi. Comme tu fais là, tu secoues là, tu montres que tu es fort. Parce que quand la bêtise n'est pas bien, que vous mettez vous tous un côté pour tuer les boules. Parce que ce qui se passe en ce moment. Et moi, je ne me laisserai pas faire par toi. Je ne suis pas tribaliste. Mais je suis tribaliste envers vous ces derniers temps-ci. Avec vous deux là, celle-là du Cameroun, celle-là même, elle cherche la place pour entrer, pour avoir le numéro. Il n'y a plus la place là-bas au Cameroun pour elle. Donc on la laisse, c'est une épave du Cameroun. Elle au Cameroun là-bas, c'est une épave. Donc, mais toi et moi, c'est une place. Parce que si toi, si vous concerne, ça concerne Anaconda. Hmm? Ça concerne Zor de l'île. Ça concerne Loulou. Ça concerne René Bio. Et ça concerne. Patricia Mel, que cette histoire, on va éclaircir ça. On continue. Bon, voilà ce qui se passe, mes Warriors. Mes vrais Warriors, hein, pas les bandits de Warriors là qui viennent là pour dire un Warriors, alors que tu n'es pas Warriors. Marie Chantal Zouetin, le cul de ta mère, dégage. J'ai quelque chose à dire. Tu fais quoi ici? Une soulade tribaliste. Porcher, rentre au port. Espèce de port. Sale porc, imbécile. Je vous rappelle que je suis sous l'air, Boulouri. Ne vous allez pas. Vous allez m'insulter, je vous insulte au roi. Bon, mes Warriors. Donc, j'ai suivi un direct là où, je ne sais pas, là où la chèvre du Canada sort. La chèvre, c'est qui? La chèvre, c'est Nathalie Renmebio. Je ne sais pas là où elle sort, comme par hasard. Elle voit une vidéo là où j'ai insulté. Les talibans, les casseurs d'ambassade, à l'époque, j'étais dans mon truc. Maman, elle vient maintenant, elle prend le côté de Lolo Fondia. Lolo Fondia, et toi, vous vous aimez depuis quand? Elle m'a dit, mais tu es instable dans ta tête, parce que tu parles partout. Tu parles partout dans tous les trucs. Moi, je n'ai pas besoin. J'ai pris ma décision par rapport à toi. Que Patrice Samuel, l'histoire de Top Show, là, j'ai accepté, j'ai signé. Mais c'est non valable. Devant la loi et devant mes yeux, je te vois me porter plainte. Je ne peux plus te chef. Tu as choisi le côté de Babineke, donc moi je ne peux pas aller là où Reine Mébio est. Maintenant, moi je vais avancer dans mon camp. Seul. Les têtes hautes. Parce que ce n'est pas le port qui va me commander.
Aucun porc ne commande la veuve joyeuse. C'est le commissaire saint. C'est le commissaire saint qui commande. Tu entends? Je suis comme ça, saint, je commande. Donc moi je quitte. Je t'annonce que je quitte Top Chef. Je ne fais plus partie de ton gouvernement de Top Chef. Parce que un petit bordel de porcherie, de chèvre, de con vient m'insulter. Jusqu'à dire que la veuve est trop tribaliste, la veuve a fait ceci, j'ai fait quoi? Vous ne doit pas vous répondre, vous, dans les réseaux sociaux, parce que vous êtes les qui? Mine de vos amis. Donc vous avez le droit de, vous avez le monopole de parler. Quand vous dites que un barbecue vaut 100 quoi. Ah oui. Et moi je veux rester là. Je veux voir faire ce genre de bêtises, de choses, ce que je ne dis pas. Non. Alors Patricia, je suis désolé pour toi. Je ne fais plus Top Chef. Tu as choisi le bon côté, le bon barbecue. Donc voilà. Moi je ne fais pas Top Chef. Donc je quitte Top Chef. Tu redoutes parce que depuis cette histoire. Enfin, tu ne dis rien, tu ne fais rien. C'est mon histoire avec deux blogueuses, Mbrakata, Babineke à Facebook. Le fait qu'on dit Babineke à Facebook, ça devient déjà comme si c'était un sésame. Dès que tu dis Babineke, tu deviens tribaliste. Alors là, comme toi tu proutines avec eux, moi je ne veux pas faire Top Chef. J'ai signé, oui. Mais je ne fais pas Top Chef tant que Nathalie Babalé est là. Ou moi, Nathalie Babalé, choisis. Parce que moi j'allais faire ton Top Chef. Même si elle est largement fou, j'allais être amusant. Les gens allaient venir pour venir voir la femme joyeuse. Les gens allaient venir. Moi, j'allais être. Mes enfants allaient oublier les gens. Je ne peux plus Top Chef. Parce que je viens de vivre une histoire historique là. Et les chassements, et ça. Une sale chose qu'on elle en a chassé. On lui a pris les pieds dans le passeport le même jour pour qu'elle rentre. C'est elle qui vient me trahir dans les réseaux sociaux. Et tout le monde croit à son histoire, une histoire rocambolesque. Je ne suis pas tué au Cameroun pour manger des kebabs. Je mange des kebabs au Cameroun. Je ne suis pas tué au Cameroun pour manger des kebabs. On est où là? Ici, je ne mange pas des kebabs. D'accord. Je ne mange pas des kebabs ici en France. Parfois, je mange quand je dis que parfois, quand la faim nous tenaille, c'est les petits tours de dos. Et puis, on m'invite quelque part, je mange des kebabs. Je me plains que je mange des kebabs. Je demande la bière, il n'y a pas la bière. Ensemble. Il n'y a pas la bière dans mon pays, avec la chaleur là. Et je mange le kebab. Je ne dois pas me fâcher. Et tout le monde dit que j'ai aussi mal comporté. C'est à cause de moi que vous avez envoyé. Alors là, je dis non, non, non et non. Patrice Amel, je viens vers toi. Je ne suis pas juste dans les réseaux sociaux. Vous jouez, vous tous, en double, jouez-vous tous là. Parce que tous les instants, quand ça se parle, tu parles avec Fleur de Lille. Tu parles avec la Reine Mébio. La Reine Mébio parle avec Fleur de Lille. On est d'accord? Vous parlez avec le nom, Fouja. Vous avez maintenant créé un truc pour me tuer. Vous tous. Vous voulez m'abattre. Vous voulez prendre la tonne pour vous. Oui. Parce qu'il y a un problème. Quand tu as fini le problème avec Kankam, n'est-ce pas, tu es parti, Kounia, derrière, proposer à le nom, Fouja. Vous vous souvenez, les cheveux crépus, là, les petits enfants là, qui avaient les cheveux crépus, là, que le nom Fouja disait qu'elle vendait les cheveux. Ce n'était pour qui? C'était pour Patrice Amel. Lolo, n'est-ce pas que tu as accepté de faire la concurrence à quelqu'un? Vous voulez encore m'amener dans les choses là? Je ne suis plus avec vous. Restez entre vous les Babineke. J'ai compris que Facebook, si, il faut être aux côtés des Babineke pour évoluer. Mais comme je ne veux pas moi évoluer, je vais rester moi seul dans mon coin. Parce que aucun Babineke ne peut me commander. Vous l'avez choisi. Moi, j'ai eu pour lui avec deux femmes babineke, c'est tout. C'est vrai que j'ai exagéré en insultant toute une communauté. Mais j'ai insulté toute une communauté, oui. Parce que vous exagérez, c'est vous qui vous êtes les cassants d'ambassade. Vous n'aimez pas la paix, vous n'aimez rien. Les quoi, vous aimez, mais vous n'aimez pas les quoi. Vous, c'est vous. Rien pour les autres. Tout pour vous, rien pour les autres. Alors, si la plupart des poissons lavaient leur cul serré dans les chaises pour ne pas se marcher, pour ne pas parler des réseaux sociaux, ça vous regarde. Mais moi, je ne laisserai pas m'amener par les petits gens, par la porcherie. Je ne laisserai pas. Mais je suis une dignité bout de Samolima. Même quand on m'a chassé au Cameroun, comme on avait dit, les chassements de ça. Comment on peut chasser les boules? Moi, on ne m'a pas chassé. J'ai choisi de rentrer. Parce que je suis loyal avec une femme. Et je vais repartir dans mon pays. Toi, tu es rentré comment? Comment on va dans le même avion? Beaucoup aussi. Dans le même avion. Toi, tu es caché derrière. Tu n'étais même pas en première classe. Hey, tu étais derrière là-bas dans le Shabbat. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu parles de moi, toi là. Qu'est-ce que tu as fait là? Ce que tu as fait, tu m'as. Tu voulais. Tu m'as.
Tu ne sais même pas ce que je peux pas dire ce que tu m'as fait. Mais j'ai montré que tu es une haineuse. Lolo Nkondia, c'est une femme à Pâques. C'est une haineuse. C'est une indique de la République. C'est une indique. On a interdit le Cameroun. D'abord, tu peux me souvent faire quoi là-bas? Chaque fois que tu parles, tu es dans le noir. Tu es devenu quoi? Le rap animiste. Tu es dans le noir, le noir, le noir. Tu parles dans le noir. Moi, j'étais au Cameroun, on m'a vu. J'ai nagé. Moi, on me voyait quand même avec ma lèvre. On me voyait quand même, moi, j'ai pas mon marché. On m'a quand même vu au Cameroun. Toi, on te voit que pas. Non, tu te caches. Tu vas mourir. On dit que les oiseaux se cachent pour mourir. Ta mort arrive bientôt. Moi, je pense que c'est ma paille. Sache que, donc, hein, Patrice Amène, ne joue pas à ce jeu. Nous tous sommes dans les WhatsApp. Tu m'entends? Nous sommes dans le WhatsApp. Les choses se passent dans le WhatsApp. Zizi. Ça vient tuer la veuve. Comme, comme tu as peur, tu dis qu'on va faire un vote pour voir si la veuve joyeuse va venir. On t'a dit que j'ai besoin de faire un vote pour que je. Vous allez choisir si je dois rester à Top Chef. Ça n'est rien à foutre. Je m'en bats les fesses. Je faisais ça pour rigoler un peu. Je mangeais ça. Tu m'as dit, j'ai signé un contrat avec toi. Et que tu m'as demandé d'avancer quelque chose. Au contraire, ce qu'on va dire, taper un, taper deux, qu'il y aura quelque chose. De moi-même, le même jour, je me suis dit, maman, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Mais vas-y, allez faire votre top show de merde. Je vous encourage. Mais aucun Warhouse ne met les pieds là-bas. Les Warhouse ne partaient pas. Allez-y. Allez chez les Apoutous. Allez-y. Les Warhouse sont partis là-bas, c'est parce que vous voulez, vous allez voir encore qui là-bas. Moi, je ne mets pas les pieds là-bas. Comment tu as choisi le côté de Bamileke là? Vous moquez de moi. Je suis au courant que vous avez fait un truc. Toi, Rennes Mébio, Kankam, Lolo et les autres, vous vous moquez de moi derrière. Je suis au courant. J'ai mal au cœur. J'ai fait quoi pour mériter ça? J'ai pris une petite stage, une chose de rien. Donc, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Une chose qui n'avait plus rien. Une vieille maman de 54 ans que son fils insulte les plus dans les réseaux sociaux. J'ai dit que ma soeur, pardon, Dieu en part. Et ça se passe comme ça. On la rapatrie, elle. On lui fait le passeport le même jour. Et c'est elle, moi j'ai bien voyagé. Et c'est elle qui vient me mettre dans les réseaux sociaux. Et vous mettez tous contre moi. Regardez un peu la chèvre, tu as fini pour moi avec un cam. Vous voyez comment Facebook. Vous n'allez pas m'abattre à Facebook. Je suis venu seulement pour prendre encore l'inspiration. Pour m'y encore me former. Je vais revenir à Facebook, on va voir ça. Vous ou moi. Soyez même bon bamiki contre la veuve joyeuse. Je vais me battre. Parce que quand vous cassez les ambassades ici, on ne voit pas. Vous êtes exemplaire. Qu'on a dit, on a demandé qu'on les génocide des boules ici. Qu'on doit tuer les boules, même les enfants que les bamiki font avec les quoi, on doit les tuer. Vous n'avez rien dit ici à Facebook. Eh oui. Mais dès que j'ai parlé, ça sort comme par hasard. Et celle qui écarte chaque temps. 55 degrés. Non. Et les, ceux qui peuvent laver les chiens, les mains ingrites et tout, sont lavés de tout soupçon. Et c'est moi que vous venez de tuer. Sachez que l'histoire, ça ne finira pas comme ça. Avec moi, ça ne finit pas vite. Donc, Patrice, je suis désolé pour toi. Continue ton top chef avec tes porcs. J'ai dit et j'ai redit que porc. Tuez-moi. Là, ce soir, j'ai boyé, on dit. On ne peut plus chier, on ne peut plus manger, on ne peut plus rien faire. Dès que tu dis que Bamileke, t'as déjà un problème. Bamileke, j'ai dit, oh, tuez-moi. Vous vous prenez pour les qui? Vous ne veut ça. Vous savez pas? Non, attends. Pourquoi on dit qu'on prend Bamileke dans cette histoire-ci? Si on prenait même ça, même une étoile là, ça n'allait même pas se passer comme ça. On prend une indique, on est clôture dans le truc. Maintenant, tu es alors un bon beaucoup aussi. J'ai dit que je ne me laisserai pas faire par une écrayant comme toi. C'est quoi? On n'a pas le droit de parler? Qui casse les ambassades? À l'époque, on quittait ici Kouya. Quand tu pourrais même voler un blanc, tu quittes au 16e là-bas, tu quittes Kouya, tu cours, tu peux entrer à l'ambassade. Mais non, tu ne peux plus entrer. Ils ont mis un cerceau là que dès que tu entres, la police t'arrête même devant l'ambassade maintenant. À cause de qui? À cause de vous. Vous. Aujourd'hui, les gens qui créent les partis politiques et les brasses, toujours vous, Babi Pawa, toujours vous, on ne peut plus parler parce qu'on a peur de vous. Moi, je n'ai pas de personne. Tiens, bienvenue de Balata. Là, vous me pécher. Je suis seulement venu me ressourcer. Je vais encore, de toute façon, j'arrive à parler là. Je vais encore venir m'asseoir. Je veux m'asseoir, suivre que chaque temps, que j'ai appris.
C'est qu'on nous sommes tous comme. Et puis, hey, on prend la paix. On aime la paix. Vous n'aimez aucune. Les Bamlékins n'aiment aucune paix. Les deux femmes Bamlékins de la tour là, Kankam et sa soeur là. Et elles sont à toi, avec un même Dieu. Elles n'aiment pas la paix. Vous voulez gouverner. Vous n'avez jamais gouverné. Tant que la vengeance existe. Alors là, non. Il faut me compter à mon coup. J'ai dit qu'il faut me compter à mon coup. Vous n'allez pas gouverner ici à Facebook. Tant que je suis à Facebook. C'est moi qui vous dis. On m'appelle ça Jéhovah. Attendez. Monétiser, même pour monétiser les pages, ça devient un problème. C'est tous les mêmes gens qui veulent monétiser les pages. Maman, vous voulez parler seul? Il faut bien parler, non? Entre vous-même, vous mangez. Comme les arraches à Facebook. Oui, je ne me laisserai pas faire par les mécréants, par les crevards, comme vous, les morpions, la basse cour, la porcherie, jamais. Je suis venu pour me ressourcer. Je veux revenir en force. Vous et moi. Vous avez fermé tous mes comptes. Ce n'est pas grave. Je vais rester un mois. Après un mois, je me ressource. Je reviens. J'atterris en Kokohoa. Dieu bien. Mine de za. Mia sont sauvés. Mille lavons l'homme. Mia sauvés. Donc, allez faire votre top chef. D'abord, je reste à finir de parler. Dès que tu parles, la voix joyeuse a parlé. Je suis devenu comme les bouts. Tout le monde peut chanter à Facebook. Dès que la voix j'avais chanté, wow, la voix j'avais tout le monde. Maman, tout le monde se met contre. Vous n'avez pas honte que vous tous, vous êtes combien contre moi seul? Putain de bordel. Vous êtes combien contre moi seul? J'ai fait quoi? Parce que c'est moi qui ai fait le numéro, qu'elle n'est pas le numéro. Non, faut dire. Si tu avais le numéro là, c'est ce que tu t'en foutais même des problèmes. Tu n'allais pas parler. Parce que tu n'as aucun numéro. Mais moi, j'ai le numéro. Hein. J'ai le numéro. Oh yeah, mais avec quoi? Moi, je suis parti là-bas forcer deux fois pour entrer, pour aller saluer madame. On a dit qu'on ne te connaît pas ici. On t'a mis dans le vol, pour prendre l'argent, tout ça, pour m'anéantir, pour mieux prendre Marie-Christine, pour appuyer Marie-Christine. Pour appuyer Marie-Christine, pour prendre Marie-Christine. Mais c'est trop tard, too late. La fois, j'ai assise. On est bien allé. Donc, désolé pour mes warros, maman. Alors que moi, maman, je vais vous montrer la robe. J'avais déjà payé une robe que je devais porter à Top Chef. J'ai dit que la robe là que je devais porter à Top Chef. Là, d'abord, oui, Top Chef allait être un Top Chef vraiment dans la joie, la bonne humeur de tous les Camerounais, de tous les Africains, Européens, de tous. Hein. Allez, comme vous aimez trop la télévision. Allez à la télé. Parce que le jour où nous voulons monter sur la télévision aussi avec mon Top Chef. Allez, vous aimez trop la télé. Au Cameroun, vous voulez quand vous montez une chaîne de télévision. Vous allez partir maintenant faire votre Top Chef avec votre télévision. Je ne serai pas là-dedans. Moi, je trouve que j'ai déjà ma télévision devant moi. C'est déjà beaucoup ici. On est pareil. Regarde-moi les gens comme ça. Bande de primitifs. Hein. On est nous, on est mignon, tu vois, demain. On me prend vraiment placer là-bas. Dans le trou, on place les gens. Attends un peu. J'ai parti, mais d'abord, moi aussi. Ça va m'apprendre. Pardon. Et moi qui voulais partir voir son beau pays. Moi j'ai nagé un peu. Hein. Moi j'ai nagé. Moi j'ai nagé. Les lieux étaient bons le jour-là. C'est le même le jour que j'ai nagé là qu'on nous a chassé, non, je crois. Je m'en vous dis. Puis on m'a demandé de nager aussi avec les deux pièces là même. Ensemble. Les chassements de ça, maman, la honte peut y avoir tué. Tout le monde parle de moi. Pardon, je vais me calmer, j'écoute les morceaux de Dieu.
De Komamungu, je t'ai interdit de venir dans mes directs. C'est la dernière fois que tu viens dans mes directs, d'accord? Je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas. Alors, de grâce, ne viens plus jamais dans mes directs. Pour la prochaine fois que tu viens dans mes directs, je vais te bloquer. Personne n'a fait aucun travail sur moi. J'ai mes problèmes personnels que je dois résoudre. Papi Longchamp était très sympa avec moi. Très sympa avec moi. Ils ont fait un travail, oui. C'est bon, quel travail ils ont fait? Je suis une blogueuse. Je dois répondre aux attaques. Vous voulez quoi? Vous voulez me museler dans les réseaux sociaux? Vous voulez me museler que je ne parle plus? Qu'ils laissent les autres parler? Parce que c'est eux qui ont créé Facebook. Je fais ce que je veux. Oui, il y a eu un travail que moi j'ai voulu. Mais là, Facebook, je ne laisserai pas faire. Vous voulez quoi? Que je me taise? Qu'ils laissent les autres se pavaner dans les réseaux sociaux sans moi? Nous tous, on va pavaner ensemble. Pauvre papi, il a fait quel travail sur moi? C'est mon thérapeute là-bas. Bande de chiens, m'ont dégagé. Dégagez, dis donc. Bah, regardez-les. Donc, moi, je suis une petite fille. Donc, parce que je suis allée chez Natacha de Monaco, elle a travaillé, que j'ai compris, machin, mais c'est malade ou quoi? Je suis allée chez Pino Chat, ouais, machin, mais c'est on a fait une vidéo, machin. Ça va pas, non? Je suis un enfant. Je suis bête, là. Vous êtes écrit les réseaux sociaux? Que je sois un petit toutou comme vous là, que je me rallie avec quelqu'un, que je reste tranquille quand l'autre se pavane là-bas au Cameroun, la crevasse du pays là se pavane au Cameroun. Ah oui, j'ai dit, alléluia. Je n'ai peur d'aucun star blogueur des réseaux sociaux. Je fais ce que j'ai envie de faire. Il y a eu un très bon travail, oui. Mais ce n'est pas comme ça. Vous prenez pour qui vous? Les gens qui insultent chaque temps, on ne fait pas de travail sur eux. C'est devenu quoi? Donc, on va travailler sur moi, je suis malade mental. Il y a les vrais malades mentales qui sont là, que vous ne voyez pas. Eh oui. Mais pourquoi vous occupez d'une malade mentale comme moi? Je suis malade mental. Je dois me faire soigner, mais c'est marrant. Parce que la seule femme qui est logique ici à Facebook, c'est moi. Parce que je ne me laisse pas piétiner par les pieds. Je ne me laisse pas faire comme vous. Vous réagissez le jour au lendemain. Tu es avec quelqu'un. Et puis, le lendemain, tu insultes une personne pendant un an. Le lendemain, tu te rallies avec une personne. Moi, je ne sais pas ça. Moi, je suis une femme très forte de caractère. Très dure de caractère. Et j'impose ma loi. C'est tout. Tu ne veux pas que je dégage. Alors, de comment mon goût. J'espère que depuis que je suis rentré du Cameroun, le chassement du Cameroun, tu n'es jamais venu. Tu ne m'as jamais vu même commenter chez toi, même regarder même par la fenêtre. Je ne sais pas ce qui se passe chez toi. J'ai seulement vu une vidéo que tu as mis de moi là où je bagarrais avec Moussa. Que c'était bon ou pas. Tu n'as rien à me dire, tu n'es pas mon frère, tu n'es rien du tout. Continue à me framponner, continue à m'insulter, c'est ton travail, c'est ton problème. Ne viens plus commenter chez moi. Attends-moi devant ta porte.
Les données ont changé. Je fais ce que je veux, je prends mes décisions seules. Je n'ai pas besoin de gens comme vous. Vous êtes les rabatteurs des autres. Vous êtes les rabatteurs. Tu es un rabatteur de tous les stars de mon bacata de Facebook. Alors, s'il te plaît, ne viens plus jamais chez moi commenter quoi que ce soit. Le jour où je te revois chez moi, je te bloque. Pour l'instant, je te laisse encore. Tu attends. Tu respectes mon mur, je respecte le tien. Je suis un enfant. On peut travailler sur moi. J'ai besoin de vous dans ma vie. Tu as fini d'insulter mes fesses, insulter de m'insulter. Tu as fait quoi ici? Continuez. Vous avez un très grand travail des réseaux sociaux. Dénigrez la voix joyeuse de tous les temps, chaque temps. Allez-y, continuez. Mais je ne me laisserai pas faire par vous. Vous ne me voyez pas chez vous, alors chez moi, vous ne venez pas. Et quand on vient chez moi, on ferme sa gueule. On ferme son anus. Mais on ne pète pas chez moi, d'accord? On la ferme. On ferme son commandant. Va faire ton zani chez toi. Tu entends, non? Parce que tu cherches un sujet. Parce que tu sais que après le direct, tu vas faire un direct pour amuser ta galerie. Tu entends? Allez, va-t'en. Je ne veux pas. Je suis bien ici, tu me respectes. Tu es dans ma vie, tu me respectes. Bon, comme tu continues, bon, je te bloque. Voilà. Tu dégrades mon mur. Je te bannis. Au revoir. Je ne m'amuse pas avec vous. Donc, vas-y. Moi, je ne m'amuse pas avec vous. Tu vas apprendre à me regarder par la fenêtre. Tu vas payer un autre compte pour me regarder par la fenêtre. Parce que je ne t'ai jamais bloqué depuis. Même quand tu m'insultais, je ne te bloquais pas. Alors maintenant, c'est bon là. Je n'ai plus envie d'être ami avec vous. J'ai pris mon chemin, je fais mon chemin tout seul maintenant. Donc, elle est ma top chef, elle est ma zaza, elle est ma soirée, elle est de ma chef. Je ne suis pas dedans. J'ai dit que 2022, c'est mon année. Et comme nous sommes déjà à la fin du mois, je veux que ce mois se finisse avec ces lots de ma chance. À partir de février, je commence une nouvelle vie. J'ai mes projets. Avec papy Longchamp, j'ai le projet de papy Longchamp, j'ai le projet de Natacha de Monaco, j'ai le projet avec mes gens à moi, mes vrais gens, la haute société, pas les Baba Wise. Donc vous qui venez parler là que ton travail avec papy Longchamp avec toi, c'est un vrai mof. Quel travail? On peut travailler sur une dieu à cul comme la vie joyeuse? On peut travailler sur moi? Je peux améliorer certains de mes propos, oui, mais pas comme piétine. Parce que vous voulez que tout le monde se. Comment tout le monde devenir un tuto? Ah oui. Facebook, tout le monde est devenu un toutou parce que tout le monde veut aller dans un côté. Partez-vous tous d'un côté. Quand vous partez comme ça, vous tous, moi je ne pas là-bas. Seul. Je suis seul dans mon côté. Et ne vous pas. Je veux des gens qui sont déterminés comme moi. Papa n'a pas votre temps. Les gens de Monaco à votre temps. Le reste est là, vous avez vous tous. Dès que Félix parle quelque part. C'est vous tous qui. Une Juarus, énergie ça, tu la sel. Islander, je suis votre Islander. Je suis votre général à Facebook. Je veux partir. Je suis votre général. J'ai mon gouvernement de joie. J'ai mes Warriors, que je ne connais même pas. Je n'ai pas de team, j'ai mes Warriors. J'ai mon zoo. Regardez-moi les animaux de mon zoo. Il faut que je vous nourrisse. Vous avez faim ce dernier temps. Hein? Quand vous avez faim déjà, vous voulez jamais ranger. Vous voulez jamais me tuer moi-même. Vous avez faim? L'argent, les convois sont encore au désert. Donc vous allez encore avoir faim très longtemps et soif très longtemps pour m'avoir. C'est encore au désert. Ça, le convoi de nourriture est encore au désert. C'est en train de traverser le désert pour atterrir à Suresnes. Que vous attendez là? Il y a un travail qu'on a fait. Mouf, bande de bêtises. Vous croyez que. Ah, c'est bon. Qu'est-ce quoi? Donc, maman, donc vous me changez le lendemain comme ça? On va changer la vie joyeuse? Vous allez qui vous pouvez changer vous? Changez vos misérables vies déjà. Vous n'avez pas de mari, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez rien, vous. C'est moi qui vais venir changer le jour au lendemain. Yako. Vous savez avec qui vous avez affaire. Dieu a assez d'énergie sur Facebook. Je ne me laisserai pas faire par vous. Vous êtes les mécréants. Les mauvaises gens. L'association des malfaiteurs. Les gens sont en train de faire une association de malfaiteurs devant vous. Tous là, pour entrer dans un groupe. De malfaiteurs. Pour mieux escroquer les gens. À la tête. Une femme et sa secrétaire, Mboko aussi, qu'on appelle l'homme Fondia, pour escroquer dans les réseaux sociaux, vous ne voyez pas. Parce qu'elle dit que bon, si elles se rallient à tous, ça serait bien, elles seront fortes pour escroquer, c'est tout. Et la seule personne qui ne veut pas entendre ça, c'est la veuve joyeuse. Créez votre ligue de plus grands voix. Vous allez faire les grandes soirées, vous allez partir.
Moi, je ne serai pas là. Mais j'existerai toujours. Et je vais me moquer de vous. Regardez-vous. Vous êtes des petits toutous. Le jour au lendemain, tu es avec des gens. Le jour au lendemain, tout le monde se rallie un côté. Par rapport à quoi? Vous n'avez pas les couilles. Vous n'avez pas la fente. Vous asseoir. Tu t'assois comme ça. Tu dis que Zagne. Hein? Regardez-vous. Vous tous vous habillez. Les gens qui ont mangé chez moi, dans ma classe, là où les asticots venaient au salon aujourd'hui, je dis que je vois aucune de vous, je vois une personne de vous dans mon direct. Même que bonjour, moi, Jean, je vous casse le cou. De quoi m'a-t-il parti, non? Venez-vous tous. Je vous vois. Même comme ça, là, si je te vois, je vais chercher ton compte, je te bloque partout, je vais vous bloquer partout. Vous allez me suivre à YouTube. Abîmez. Je vais vous montrer ce qu'on appelle que civilisation Sao. Et vous civilisez ici à Facebook. Regardez-moi ça. Bande de rien, ton crevard. La vide de sang. Et que le convoi de nourriture est encore au désert. Donc vous allez souffrir pour m'avoir. Mettez bien la tête de moi, mettez bien la tête de moi. Je vais tous vous bloquer tout à l'heure. Voilà. Mon bébé, merde. Est-ce que ce sera encore mon bébé en train de nager? Vous savez, il y a la sorcellerie qui existe. Il y a la sorcellerie qui existe. Loulou a vendu la veuve joyeuse et Marie qui sont bonnes au plus offrant à la chaîne de télévision qu'on appelle Tara. Tara TV. Elle nous a vendu. C'est elle qui a fabriqué toutes ces vidéos-là avec ces gens. Pour avoir quoi? Tu te vois là maintenant dans le noir. On t'a donné combien? 10 millions. Les rapatriements, c'est ça. À sec. Nous, on a voyagé en première classe. Parce que moi, je me suis promené parce que j'allais aux toilettes. Si j'allais te voir dans l'avion, hein, tu allais sentir là-bas. Et que donc, toi, si tu voyages aussi. On a dit que si tu vois la façon qu'on avait été ramassé, on est venu la ramasser. Et on t'a fait le passeport illico pesto que toi, dont les autres sont partis, toi, tu restes. Tu sais, fait quoi? Celle qu'on a rapatriée, elle-même maintenant, elle vient parler que bam, 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 bam. Tu vas dire la vérité un jour. Amigo, me,
Tu ne vois pas que j'ai acheté encore quoi sur la terre. Mettez les cœurs. Fiche-moi la paix, même si on ne parle pas de moi, on va parler de moi. Personne ne parle de toi. Par quoi, par rapport à quoi? Vous connaissez WhatsApp? Est-ce que vous connaissez WhatsApp? Vous savez ce qui se passe au WhatsApp? WhatsApp est plus dangereux que Facebook. J'ai besoin qu'on parle de moi, elles sont qui? Je parle d'elles quand je veux, comme j'ai envie de parler. Elles sont les qui? Je parle aux primitives. Dis donc, je suis là pour dire à partir de sa mère que j'ai compris. Vous faites des trucs dans le noir. Que je ne sois pas à top chiffre, on m'a dit. Et j'ai vu la vidéo que la chèvre du Canada a fait. Comme tu as choisi la chèvre plus que moi, parce que tu es venu, tu m'as appelé. Parce que je suis en difficulté. Tu connais ma vie. Que parfois je suis en difficulté, mais je n'ai même pas dit où même pour manger. Mais comme je n'ai pas tout commandé, je reste tranquille. Tu es une personne très sympa, très gentille, Patricia. Mais tu joues un mauvais jeu. Tu es la patronne de cet événement. Tu ne dois pas permettre que quelqu'un vienne parler de moi. Mais tu as choisi que tu ne veux plus de moi dans ton événement. Ce n'est pas grave. Mais sache que moi, je ne suis plus avec toi et que aucune Waros, ne viendra pas. Les gens vont venir. Les Bamiléké, comme ils ont beaucoup d'argent, ils vont venir. Voilà. Vous allez voir. Frère Lévi va venir. Le nom va venir. Prends-les. Tu m'as mis à côté. Parce que soit disant qu'on sort une ancienne vidéo de l'époque d'Aïdjo. On vient mettre dans les réseaux sociaux. Là où je suis à Benoît, qui dit qu'on n'a pas la porcherie et tout, en rigolant dans à Saint-Barthélemy. Vous croyez à ça? Parce que à Facebook, les Bamiléké doivent insulter, les Bamiléké doivent casser l'ambassade, ils doivent tout faire. Mais nous, on doit rester tranquille. Comment dire que l'aime quoi? Vous êtes quoi? Vous avez quoi? C'est ça. Mais tant mieux pour vous. Mais moi, je suis une croix que j'ai tout. Je suis une croix qui a tout. J'ai un bon cœur. J'essaie de tendre la main aux gens. Mais vous vous accordez que tu l'amènes quelqu'un, tu l'amènes quelque part. Elle te chasse, elle s'assoit dans les manger mille. Elle t'assoit, elle s'assoit. Elle te met à côté, elle te pousse comme ça. Le remerciement du chien, c'est avec un gros caillou. Vous m'avez, les Bamiléké m'ont remercié avec un gros caillou. Oui, mais moi je vais vous montrer que on ne me remercie jamais avec un gros caillou parce que je ne vous lâcherai pas. Donc, Patrice Samet, désolé pour toi, pour cette introduction, pour ce brutal. Donc, sache que je ne suis plus moi là. Continue avec tes soeurs Bamiléké. Vous avez commencé à faire vos commerces depuis. Vu que Fleur de Lille, c'est avec elle que tu as créé FDL. L'autre, tu as créé les shampoings des enfants pour adoucir les cheveux. Gloria, c'est toujours toi, Patrice Samet. Continue avec elle. Vas-y avec eux. Tu t'entends bien avec eux. Parce que les voleurs et les bandits, les prostituées, tout le monde, c'est le même lot. On appelle ça association des malfaiteurs. Allez faire votre association des malfaiteurs là-bas. Moi, je ne suis plus là-dedans. Je me débrouille tout seul dans ma petite peau. La maison d'un gada. La personne qui veut venir manger, la personne brisée avec moi, vient manger. La personne qui ne veut pas, ne vient pas. Ce n'est pas grave. Je vais me débrouiller seul. Moi, j'ai créé mon gada. C'est la Paris. Vous avez créé quoi? Les autres, tu as créé quoi? Tu as commencé à dire que tu vends des habits. C'est sur les habits des gens que tu vends. C'est sur que tu vends les produits de beauté. C'est sur les produits des gens que tu vends. Même les trucs amincissants, c'est toujours pour les gens que tu vends. Crée quelque chose pour toi. Parce que tu n'es pas une femme créative. Moi, j'ai créé beaucoup de choses. Même les make-up. Tu ne savais pas faire les make-up. Tu peux créer une. Tu peux dire que bon. Tu peux venir à Paris. Tu dis bon, tiens, tu vas voir. J'ai plein d'idées. Je peux te donner, mais est-ce que tu me considères comme idée? Toi, tu es aussi encore pas d'argent et le Congo, ça, pour enregistrer les gens et tout ça. Tu peux aller dans un truc, les salons de beauté de Paris, là. Tu dis que bon, l'autre, vous n'avez pas vous maquiller. Venez vous maquiller à Paris de 15h à 22h ou de 15h à 20h. Tu peux dire peut-être de 15h à 18h ou 20h. Les gens, oui, tu parles d'un petit box. Les filles vont, les domaillères vont se mettre en rang pour que tu les maquilles. Comme tu sais très bien maquiller, ça va te rapporter quelque chose. Et une domaillère aussi peut te prendre là-bas pour dire que bon, comment tu fais le truc de make-up? On te fait un truc de make-up. Tu crées un truc de make-up comme Emile Gould avait créé sa part de make-up. Mais rien. Tu n'as pas d'idée. Tu es une femme sans idée, sans rien.
Mais c'est toi qui insultes les autres. Tu es propre, tu es. Tu as vu dessus de tes mamites. J'ai vu une vidéo comme tout le monde. Tu as vu tes mamites. Lolo, je n'ai pas envie de parler avec toi. Parce que, sache que moi, mon cœur est encore noir. Très noir. Tu entends? Mon cœur est encore noir sur toi jusqu'à ce que ce n'est même plus bon. Parce que tu es innovatrice, toi. Moi, j'ai les idées que si j'avais les moyens. Si j'avais les moyens, Lolo, c'est que. Vous réfléchissez pour faire les make-up. Les make-up que. Même moi. Tu mets ta caméra comme ça. Tu vois comment te montre comment te maquiller. Tout le monde peut le faire. C'est tout ce que tu es venu faire, Lolo. Make-up. Je suis belle. Depuis des années. Tu n'as pas trouvé ta part de plan. Tu peux insulter ma mère. Tu vois que ma mère m'a eu avec un client. Non? Comme ta putain de mère aussi t'a eu avec un client. C'est pour ça qu'on l'a tué dans la voiture. On l'a tué au Akribi. Dans la voiture, non. Moi, je n'ai pas de sentiments avec toi. Tout le monde allait. Tu m'as amené là où tu voulais qu'on me tue. Mais heureusement que Natacha de Monaco m'a tenu la main. Je te remercie, Natacha. Papy Natacha m'a accueilli. Mes enfants m'ont accueilli chez eux. Il y a beaucoup de. J'ai tellement d'invitations du monde entier que tout le monde veut. La voix, je vais dire, viens. Parce que j'ai pris une traître. Ta traître. Traître. Il dit que. Traître, ta traître. J'ai pris une traître. Bamileke, j'ai amené. Voilà ce qui se passe alors. Voilà. Tu es minable. Tu vas continuer avant à payer tes vues pour faire la concurrence avec celle-là qui a été crevée là-bas au Cameroun. Là. C'est tout ce que tu restes à faire. Tu vas continuer à payer que les vues. Parce qu'il faut que tu dépasses l'autre. Parce que vous avez la concurrence des vues entre vous deux. Mais malheureusement pour toi, ta part n'est pas monétisée. Eh bien, dis donc, tes vues là, c'est gratuit. Hein. Ta page n'est pas monétisée. Pourquoi je ne monétise pas ta page? Pourquoi ta soeur n'est pas toi de monétiser ta page? Et tu viens me parler, moi. Et tu ouvres ta gueule sur moi. Franchement, on t'appelle que pitié, Farouna. Tu ne m'atteindras jamais. Jamais. Retourne à Reims sans voix. Va à Reims. Depuis que tu es arrivé du Cameroun, tu es cloîtré chez ta une de tes soeurs que tu as aimée dans les réseaux sociaux. C'est elle qui te bêche. Pourquoi tu ne peux pas avoir Gloria? Tu as vu Gloria. Tu as vu ton gars là. Et tu me parles, moi. Moi, demain, je rentre chez moi, je fais clac, clac, je m'apporte, je suis dans mon Ghana. Je prépare, je mange, je dors, je danse. Tu es mon débat, il n'est pas mon débat. Et moi, tu as vu ma petite famille, et tu me parles, toi. Je connais Cannes, je connais Monaco. Tu as eu quoi là-bas? Tu as eu quoi à Cannes? Tu as eu quoi à Monaco? Tu as eu quoi à Nice? Rien, élan. Pour venir s'asseoir à Paris, s'asseoir pour faire les mecs comme dans les réseaux sociaux pour parler à la bourgeoisie. On les a. T'es que job obligé. Oui, tout ce que tu as, c'est ta bouche qui sort comme la diarrhée nauséabonde. C'est tout. Abîme-toi. Avec toi, c'est ça. En dehors de ça, il dit que non. Mais mon masque, si, coûte très cher, plus que toi. Parce que les gens comme toi, on doit t'abattre. On doit te finir une fois. Bon, je vous laisse. Bonne soirée à vous, mes Waros. À demain. On va danser. Que Dieu vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sachez que je suis innocent dans cette histoire. Et tant que mon cœur est noir, je vous parle de ça chaque temps. Vous comprenez? Je n'ai rien contre les Bamileke. Mais j'ai une haine avec les deux femmes Bamileke. Il y a la troisième femme Bamileke là. Nathalie Baba et toi. Quand tu es mort depuis. C'est alors, hein. Quoi aussi. Vous tous là. Maintenant, vous êtes les seuls. Vous êtes devenus les seuls Bamileke pour combattre une seule femme boule. La seule d'une femme boule. La seule femme d'une bêtise à Facebook qui vous tient tête. Et oui. Et les bêtises sont là. Les boules sont là. Mais je m'en fous. Je vais me battre avec vous jusqu'au dernier niveau. On va voir ici. Regardez-moi les gens là, les primitifs qui vivent les courses dans le WhatsApp. Sortez même mon ami, sortez tout ce que vous voulez. C'est votre problème. Vous avez. Maman, quand j'ai fait quoi? Moi si. Je suis parti au Cameroun pour manger le kebab au Cameroun. Ma dit que kebab au Cameroun. Je suis parti au Cameroun pour manger. Je demande la bière, on ne donne pas la bière. Et je ne dois pas me fâcher.
parce que j'ai fait un peu, parce que je veux 1 million. Jamais. En tout cas, ça ne va pas. À demain. Le lit date son. Demain, je danse pour toi. C'est prêt à Dieu. Bonne nuit. Après, on attendait. Salut. Préparez-vous bien. Hein, parce que tout le monde qui a mis tête de monde, là, vous partez. Hein. Bonne nuit, mes roses. Je vous aime.